Les larmes des riches et des pauvres restent les mêmes. À nous de faire en sorte pour arrêter ses peines. Il pleure auprès de sa mère pour avoir du chocolat fin, tandis qu'un autre enfant dans son village pleure parce qu'il n'a rien. Que la faim, la soif, en espérant que sa fin, oui, la sienne, ne soit pas si proche. Il n'a pas eu comme cadeau la dernière console. Ses larmes coulent et il s'écroule sur le sol, tandis que l'autre, désespéré, regarde au fond de son bol pour y apercevoir ses larmes. Ras-le-bol de vivre au jour le jour la misère et la faim, tandis que l'autre est voué un fabuleux destin. Mais pourtant, tous deux, malheureux, auront toujours des tas de larmes qui coulent au fond des yeux. Mais pourtant, tous deux, malheureux, auront toujours des tas de larmes qui coulent au fond des yeux. 10 000 raisons de pleurer, les larmes coulent parce qu'on est triste, parce qu'on est trop choyé, parce qu'on a faim, mais trop de moments, parce qu'on est trop écœuré. 10 000 raisons de pleurer, les larmes coulent parce qu'on est triste, parce qu'on est trop choyé, parce qu'on a faim, mais trop souvent, parce qu'on est trop écœuré. 10 000 raisons de pleurer, les larmes coulent parce qu'on est triste, parce qu'on est trop choyé, parce qu'on a faim, parce qu'on a faim, mais trop souvent, parce qu'on est trop écœuré. Les larmes des riches et des pauvres restent les mêmes. À nous de faire en sorte pour arrêter ces peines. Aujourd'hui, les deux hommes évidemment ont grandi, mais toujours le cri des larmes qui pourtant les poursuit, les donne, et les enjeux ne sont plus les mêmes. Mais toujours la différence entre leurs chagrins et leurs peines. Ils pleurent car ces actions ne sont plus cotées en bourse, tandis que l'autre vit avec la mort aux trousses et la peur de mourir. Et toujours tant de mal à se nourrir, persuadé que passera toute sa vie à courir. Mais pourtant, tous deux passent des moments heureux, le prix d'une vie, des larmes, pour goûter au bonheur un petit peu. Mais pourtant, tous deux passent des moments heureux, le prix d'une vie, des larmes, pour goûter au bonheur un petit peu. Pour goûter un petit peu. 10 000 raisons de pleurer, les larmes coulent parce qu'on est triste, parce qu'on est trop choyé, parce qu'on a faim, mais trop souvent, parce qu'on est trop écœuré. 10 000 raisons de pleurer, les larmes coulent parce qu'on est triste, parce qu'on est trop choyé, parce qu'on a faim, mais trop souvent, parce qu'on est trop écœuré. 10 000 raisons de pleurer, les larmes coulent parce qu'on est triste, parce qu'on est trop choyé, parce qu'on a faim, mais trop souvent, parce qu'on est trop écœuré. Les larmes des riches et des pauvres restent les mêmes. À nous de faire en sorte pour arrêter ces peines. Les larmes des riches et des pauvres restent les mêmes. À nous de faire en sorte pour arrêter ces peines. À nous de faire en sorte pour arrêter ces peines. Pour arrêter ces peines. Arrêter. 10 000 raisons de pleurer, les larmes coulent parce qu'on est triste, parce qu'on est trop choyé, parce qu'on a faim, mais trop souvent, parce qu'on est trop écœuré. 10 000 raisons de pleurer, les larmes coulent parce qu'on est triste, parce qu'on est trop choyé, parce qu'on a faim, mais trop souvent, parce qu'on est trop écœuré. Le prix des larmes, le prix des larmes, le prix des larmes, le prix des larmes. Merci beaucoup. Nous, c'était Rural Tribu. Alors là, vous avez Elsie au clavier. Là, vous avez Sweety au chant. Là, derrière, vous avez Jill Pierrot au clavier, aux machines. Là, vous avez celui que j'appelle Magic Dom. Et moi, pour ma part, c'est Dave Mann. Merci beaucoup. À bientôt. On se retrouve bientôt. Merci. Bonsoir. Merci à l'organisation, à tout le monde.